Rap meet Congolese soukous? Where does French electropop mix with the Beirut underground? And where does reggae echo in the sounds of desert music from the Sahara? The answers can all be found at the annual Global Fest at Webster Hall in New York. It's a place where musical frontiers require no visa. Laissez-passer is the motto. Canapé catches three performers from the French-speaking world: Balogi from the Congo, Yasmin Amdan from Lebanon, and Noura Mint Somali from Mauritania. What's happening tonight? There is the Global Fest, and we have the honor, the privilege to be on the bill tonight. So I'm really looking for it. So if you with us tonight, keep the finger in the air. Bosha. I know they want to keep it cliche. Bosha. They want to see you with a belt of bananas, with some djembe, and representing the sweet Africa. All the cliche are alive, thank you. But don't put me in any of these box. I'm sorry for the Global Fest, but this is not global. This is our music. Motion. 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 She don't exist comme femme. Elle est sombre et mon histoire pour une femme. Pour distraire, batailler fond, tête, me réduire à un grand espèce, un spécimen naïf, comme l'alternatif du pays des grands lacs, semé de récifs. So this is a song from the time I was living in Kuwait. And it's an old song, it's ancient, and it's a wedding song. There was the Iraqi invasion in the 90s, August 90. I was in contact with this part of the culture. I was in contact with Kuwaiti music. I was in contact with Iraqi music. I loved
Iraqi rhythms. I loved Kuwaiti rhythms. So for me, when I sing these songs, they're part of my memory. They're part of my childhood. Sometimes I mix two songs together. So in concerts, this Kuwaiti song is mixed to a very old Iraqi song. And this very old Iraqi song is a song that is called Yajar Hagalbi, and it's heartbreaking. It's about a separation. So I found it funny to do a wedding song with a separation song, one in Kuwaiti and one in Iraqi. But it came just spontaneously. It's not because of the Iraq-Kuwait war, but you know, it came just, you know, because things come up genuinely, and so. Content pour présenter la musique mauritanienne partout le monde. Dole, tout ma rouve, Billy Mauritanien, même rouve, Yasmin Nasma, Makan, Albia, Moussique, Tnak, Mhassra. La musique mauritanienne reste à la Mauritanie parce que c'est traditionnel entre les Mauritaniens. Le chanteur, c'est l'ambassadeur de son pays. Oui, il y a une chanson pour la paix. Il y a une chanson pour la paix, ça s'appelle comment? Nas. Ça veut dire quoi, Nas? Nas, le monde. Le monde. ناس الناس الناس ورد الناس ردادة حق الناس وفي ياسر ما باس ما عنده أي ساس كون إنه بعد الزور ذاك الزور ما ينقاس بالتربة والبحور بوركوان ليبوكريزي بوركوان لديفرجانس Pourquoi les divergences? Et plutôt l'unité, toutes les races, fraternité, liberté pour la paix. Nas, nas, rad nas. Mansabi, raji, beynoua, beyni, mansabi, raji, beynoua, beyni, ma beyna haji, beya wa aïe. ما بين حاجبي وعي ما بين حاجي يا حاجي يا حاجي يا وعي ما بين حاجبي. In 2010, an earthquake devastated Haiti. Filmmaker Victoria Campbell arrived a few days later in what seemed a post-apocalyptic landscape. As she worked in the relief effort, she met a community leader and voodoo priest named Gaston, whose energy created order where there was none. He told me that the earth was hungry, and that's why all the people died, that it needed to be fed to keep on going. So it shook real hard one day, enough to swallow all those souls. Hey,
2010, the Haiti earthquake happened on January 12th, and I got a phone call from my dad in New York saying, I'll buy your plane tickets, go down there with your friend Abby, you both speak fluent French, and help out and translate for the doctors and do what you can. And so we went in not knowing what to expect, but we were wanting to help and assist in any capacity that we could. We knew they needed translators and nurses, so we ended up becoming nurses immediately, dealing with triage on a level that we had never seen nor experienced. And basically we're dressing wounds and helping with amputations and helping the doctors. And the fifth day, I met Gaston. He came in on a motorcycle wearing a fedora and basically said, you got to come to my neighborhood. It has not seen aid or anyone for 10 days or since the earthquake, and we have no water, we have no food. Please come. So I was in that truck load bringing aid, went to his neighborhood, and I was struck by him. He was this charismatic, interesting, really smart, clever guy that everyone respected. Initially, I kept thinking, well, what am I doing? What am I making? What are these images that I'm making? And I really felt I wanted to capture something out of Haiti that linked people, that they were seen through my eyes, rather than, oh, the observer, the first world white American woman filming a third world. That was exactly what I wanted to avoid. I wanted to be close with the nurses and have my camera be just a bridge of our friendship, what our closeness was evolving into, and same with Gaston. I wanted to really capture this character who I adored and very much felt close to. Gaston clears a space for a new school for the neighborhood children, and the small clinic at the center is reopened. All sorts of medical supplies pour in, and donated money for salaries is set up by Gaston for the nurses and doctor that he finds. C'est pour la grippe, c'est classé pour la grippe. De l'autre côté là, c'est pour les infections, c'est des boîtes qui remplissent des médicaments pour des infections. He's at the clinic every morning making sure a system is set in place. In a year and a half, 16,000 people in his neighborhood will have received free medical care. Tu vois, l'enfant ici là, il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Voilà qu'il décide d'aller chez moi habiter avec moi. Every month at that point, every 2 months, I'd gone down and spend about 10 days. I think 8 months into our friendship, and me getting really close to him and documenting him, he said, we're going to have this voodoo ceremony in my house. And he said, you're going to be part of this ceremony. You know, I want you there, and you can film it if you want. So I hung out in the back, and I had my camera, and everyone was warming up, and the songs, which are beautiful, started, and they were singing. And then Gaston had a machete and started drinking some absinthe in this bottle and started blowing it on everybody, and then everyone would take a swig. And slowly his eyes went up, and it was really this big change. He was saying things that I didn't understand really fast, and he was being overtaken, and a woman was like, he's being taken by Petit Jean, a slave who fought the French, and this is who he's becoming. And so he did single me out. He was like, white woman, hey lady, white woman. Don't you and your people, don't think that you, all you foreigners that are now here in this country, don't think that you're going to make us slaves again. We won't put up with that. We'll fight you like we did the French, and we'll fight you till our death. Alors, l'événement s'est passé, il y avait beaucoup de morts, non les vaudouisants. On a pensé aussi à faire le rite qui s'appelle Casse Canari. It's just overwhelming
how people use it as a way, oh, we're going to go save Haiti, we're going to help Haiti, without even thinking about what is this country. It's on such a flimsy little foundation as is. And Gaston saw through that, you said. Totally saw through that. And that's where he's like, oh, these missionaries, they come and they talk about Jesus and they want to convert you and they want to, you know, do all this stuff. And he said, forget it. You know, I don't believe it. This country, what it needs is it needs good leaders. It needs a new infrastructure. We need to sustain ourselves and we need to get rid of all these NGOs and foreign aid. And we need to start. And he knew his own government was corrupt. And he said, I know that our own government should take care of its people, or at least attempt to. And they take the foreign money that's being funneled, flooded into the hands of the government officials, and then they pocket it, and it doesn't trickle down to the poorest who need it. And he said, you know, he was so savvy and also had a good sense of humor about it. And we used to laugh a lot about it, and he really saw through the total hypocrisy and the absurdity. And he, in a way, because he was part of it. Yes. Money is missing, and no one knows where it's gone. No one has been paid for 4 months. The donated trucks are sold in the black market. All the medical supplies vanish, and the money in the clinic's account is missing. In total, $25,000 has been taken. A week later, Gaston leaves for Montreal with his two children. Gaston's mother turns me away. She tells me he's gone. Et Gaston a acheté un esprit. In summer 2013, producer Bruno Giuliani traveled to Tunis to talk with dancers about the rise in extremism and the crackdown on free expression. Under such circumstances, what is dance? La danse contemporaine, elle a perdu un tout petit peu dans son sens parce qu'elle est devenue trop intellectuelle, trop de recherche intellectuelle et qu'elle a perdu le vrai sens de communication avec le public parce que c'est devenu élitiste la danse contemporaine. Elle se fait dans des théâtres, c'est un peu, on va dire, c'est un art trop cher aussi pour un public. Alors que ça bouleverse le tout quand tu fais de la danse contemporaine dans la rue, quand tu le présentes à un autre public, à un public qui n'est pas averti du tout, c'est un public qui est cru, qui est là et tu peux t'attendre à toute réaction. Le ministère nous oblige à avoir une autorisation. Cette autorisation, ce n'est qu'une manière de censurer et de dire ces gens ont le droit, ces gens n'ont pas le droit. Donc on s'est dit, ce concept de danseur citoyen va nous permettre d'être dans l'espace public sans passer par l'autorisation. Le projet Je danserai malgré tout, c'est un projet qui a réussi parce que ça a sollicité l'intérêt des gens normaux pour aller danser aussi. Et on en a vu des gens super, super beaux parce qu'ils dansent spontanément, ils se lâchent, des femmes voilées, des mecs, des garçons, des vieux, des filles. C'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est pas une danse spécifique, ça devient une danse, un langage de tout le monde. Je suis championne en gymnastique rythmique. J'ai été toute ma vie en faisant la gym et la danse en même temps, en train de rechercher en continuité la technique et la perfection, rien d'autre. Et là, ça va avec la technique, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est très important, surtout pour moi qui est danseuse classique et contemporaine. Je fais ça toujours dans des salles, c'est clos. Et là, c'est autre chose, c'est une expérience tout à fait nouvelle pour moi. C'est une spontanéité totale, je laisse mon corps agir avec le public et c'est surtout des mouvements codés.
danseuse en arabe est aussi assimilée au mot pute. Hein, je veux dire, c'est un mot qui ne veut pas dire la même chose. Mais qui fait référence, en tous les cas, à ça. Et quand je lui dis « je suis danseuse », il était choqué. Choqué en me disant « mais comment ?» mais quoi danseuse ?» Je lui dis « je fais de la danse moderne. Tu vois un peu ce que c'est la danse moderne ?» Il me dit « ah !» Et en arabe, il me dit « irkulli danseuse ». Je veux dire, à ce moment-là, dis-moi « danseuse ». Et il emploie le mot français pour dire « danseuse ». Qui pour lui ne veut pas dire danseuse chataha. Chataha, ça va dans un sens, et danseuse, ça va dans un autre sens. Un des premiers messages de l'identité arabo-musulmane, c'est la pudeur, c'est quand même ça, c'est préserver, c'est ne pas se mettre à nu, justement, n'importe où en tout cas, et encore moins dans la rue, parce que ça veut dire qu'on s'expose au groupe. Et ça veut dire qu'on va s'exposer aussi au jugement des autres. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir de cette façon-là. La danse, c'est pas, il ne s'agit pas de mettre son corps à nu. Il s'agit de transmettre un message à partir du corps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de montrer que je vais bouger avec mes fesses ou mes seins ou mes cuisses. Non, je vais mettre tout ça en mouvement, en coordination, pour que ce que je ressens là quand je fais ça, je te le transmette. C'est le principe de l'art, je pense, c'est qu'il donne une libre interprétation de sens. Et je trouve que le corps, ça donne un sens encore plus concret, parce que ça renvoie à soi-même, ça renvoie à... On va s'identifier forcément quand on va voir le corps de quelqu'un d'autre en mouvement, on va s'identifier, on va se dire, moi aussi peut-être que je peux faire ça avec mon coude, avec mes cuisses, avec ma main, avec ma tête. Avec mes cheveux, donc forcément, ça implique l'autre. Et ça l'implique plus, c'est plus qu'un spectateur. Du coup, le fait de, par exemple, de partager une action artistique, qu'elle se fasse dans la rue ou sur scène, c'est une façon d'inviter l'autre. Et c'est ça le principe, c'est en ça que c'est une union. Moi je pense qu'il y a des sons qui dansent avec la technique et d'autres dansent avec la haine plutôt, parce que crier c'est résister, je pense, et c'est pour cela qu'on cherche toujours à être des danseurs dans la rue. Et pour danser dans la rue, il faut comprendre ce qui se passe dans la rue, vous voyez. Aujourd'hui, je crois que un policier ne peut pas m'arrêter parce que je marche en dansant. Il n'y a pas une loi, il n'y a rien. Mais en fait, ça dérange parce qu'il ne comprend pas ton message. C'est le fait de ne pas comprendre le message de l'autre qui pousse les gens à devenir agressifs parce que tu sors du contrôle. À quel moment l'expression de la danse devient une résistance ? Au moment que tu commences à danser dans la rue et on te dit que tu es interdit de faire ça. Au moment que tu comprends que tu n'as pas le droit de parler franchement, donc tu dois t'exprimer autrement. Feel it, do it. Feel it, do it, c'est ça le concept. J'ai 22 ans, depuis 22 ans, je ne peux pas m'exprimer comme je veux.
pourquoi pas le faire ce jour-là? C'est lui, il est mort pour les paroles qu'il a dit. Ça veut dire nous, on va pas avoir peur d'un crimo ou d'un truc comme ça pour exprimer ce qu'on pense.